Mars 2022, Banbury, Oxfordshire, Royaume-Uni. L'instant d'avant, le jeune homme écrivait sur un cahier, à la main, à l'ancienne. Mais le stylo s'est arrêté. Il vient de s'interrompre. Il se redresse. Sans y penser, d'abord, il craque une allumette pour allumer une énième cigarette dans la nuit lourde des pluies à venir, sur la terrasse où il travaille à la lueur d'une lampe incertaine. Et au lieu de porter la flamme à la cigarette, il arrête son geste et regarde l'embrasement du soufre. Une lumière blanche a brillé, elle vacille déjà. Il incline l'allumette. Le bout de ses doigts en éprouve la chaleur. Il ne peut s'en détacher. Fasciné. À quoi pense-t-il? L'air est froid. Thomas F. écrit en bras de chemise. Est-il fiévreux? Dans la maison, derrière lui, tout dort. Sa mère, chère mère. Elle s'est bouffé une jeunesse pour lui donner cette éducation obstinée, tenir seule une ligne et une exigence. Elle est si fière de lui, de lui avoir offert le meilleur, un ordinateur, des livres, l'université surtout, tout ce qu'il est devenu et qui lui permet d'écrire ces lignes. De rupture. Ces lignes vont tout consommer entre eux, elle et lui, comme cette allumette se consume. Moi, Thomas F., professeur par votre soutien et la confiance que cette université a bien voulu m'accorder. Moi qu'à 23 ans vous avez distingué, honoré, reconnu, coopté, je suis pourtant au regret de faire sécession par ces lignes, de déclarer une guerre entre vous et nous, ou plutôt une dissidence, une séparation de corps. Et je crache dans la soupe, comme disent mes amis français. Parce que pour faire droit à ces honneurs, il me faudrait enseigner toutes les balivernes de la science politique, cette fiction immorale, et par exemple, cette fable, contrat social. Et l'amour de la vérité m'en empêche. À l'automne 2024, à l'hiver 2025, en France, en Italie, en Allemagne, partout. La rue est bloquée dès septembre comme au printemps précédent. Des centaines de milliers de jeunes gens y campent, jours et nuits. Des centaines de milliers de jeunes gens immobiles se taisent. Anton est arrêté cet automne-là, après l'incendie d'une banque, à Cologne. Nicolas retrouve Chiara quand ils reviennent chez eux, pour Noël, à Ostie. Il est fiévreux, exalté, sombre. Il dit à sa sœur qu'ils ne pourront plus reculer cette fois. Il a lu un livre, qu'on vient de traduire en italien. Do not count on us. À Paris, chez eux, dans ce studio minuscule qu'ils louent un bras, Antigone et Xavier l'ont lu aussi. Ils le lisent tous dans les coordinations. Ils le dévorent. Ils les dévorent. C'est une contagion. De chasseurs-cueilleurs, de nomades, et pourtant nous nous ancrerons pour ne pas errer. Pour ne pas céder à l'envie de vous piller. 3 avril 2025. Pour vous permettre de nous éviter. Dans les jours qui suivent la grande manifestation, ils sont des milliers sur les routes. La plupart sont partis le soir même ou le lendemain, après une nuit à discuter, chanter, se tenir chaud et se donner du cœur. Ils ont lancé un dernier appel à leur famille et à ceux qu'ils aiment. Adieu. Au revoir, à l'espoir.
Puis ils ont jeté leur téléphone lien, leur téléphone garrot dans les poubelles de passage et ils sont partis. Comme on s'en va en vacances. À pied, en troupe joyeuse. Dans des voitures, des camions, sur les plateformes arrière de camionnettes pick-up. Sous un soleil généreux ou sous des averses fumantes. Ils vont. Cherchent un endroit délaissé. Ils mettent en commun leur thune, achètent un bout de champ et de forêt, un hectare agricole. Ils commencent à dépierrer, défricher, débroussailler, à construire des abris, des villages. Ils se cachent sous des arbres, comme sous des ombrelles. Ils assemblent quelques planches, puis scie, clous, perchent des cabanes. Ils apprennent qu'il faut une source, une prairie, du bois. Ils vont puiser aux fontaines des villages, se rendent malades en buvant l'eau des ruisseaux, la font bouillir longtemps, apprennent à la filtrer. Ils se purifient dans ces gestes longs, lents. Ils ramassent les fruits de printemps dans les vergers, les déposent avec délicatesse dans des cagettes pour les paysans. Ils fauchent le foin des prés et nettoient les étables. Ils travaillent pour rien, sans salaire en échange. Juste de la nourriture, pas d'argent. Ils vont mener des bêtes qu'ils apprennent à connaître, adoptent des chiens errants, capturent au collet des lapins qu'ils mangent. Leurs cabanes ressemblent presque à des maisons. Elles ont des foyers, du provisoire s'installe. Ils mangent, ici, là, partout, ce que les adultes leur envoient. Des sacs de haricots, de riz, de lentilles. Ils gobent ou font frire les œufs des poules qu'on leur a donnés. Ils ont faim souvent, pourtant. Ils maigrissent. Ils savent bâtir des feux maintenant, partout, dans tous les villages. Ils savent réserver le bois au sec, le garder à l'abri, faire une fosse avant d'embrocher les animaux. Ils apprennent à vivre sur un pays. Ils changent, déjà. Leur goût et leur dégoût se transforment avec la faim et s'amenuisent. Leur confort et leur paresse les quittent avec le froid, la canicule, la pluie. Leur patience, leurs impatiences s'ancrent dans un autre temps, une durée différente. Broussailles qui repoussent, pierres qui roulent, murets qui s'effondrent. Faire et refaire. Sillon qu'on dessine, où l'on sème, dont il ne faut rien attendre avant 4 mois au moins. À B, le campement sur la prairie d'herbe folle au pied du tertre forestier s'organise autour des 3 granges. Les jeunes gens refont d'abord les couvertures des 2 bâtiments les moins endommagés avec des bâches et des poutres pour solidifier les charpentes. Avec des pics et des baramines, ils percent des fenêtres. Là-dedans, ils seront au sec, espèrent-ils. Plus tard, on dressera des cloisons, mais pour l'heure, c'est un dortoir. Passé les premières heures, les premiers jours, Antigone se souviendrait de caresses. La brise sur sa peau, la fraîcheur de l'eau, les nuits d'inquiétude aussi, sans dormir, à cause de tout. Tout ce qu'il faut inventer, et cette difficulté surtout, qu'ils ont tous à avancer sans chef, sans confier leur destin à personne. Fin mai, des pluies de merde, vicieuses, s'acharnent à les déloger. Ils en rient, ils sont pris de fou rire inextinguible dans les cabanes mal isolées qui ruissellent de partout, à chercher encore des bassines alors que tout flotte, à finalement profiter de cette douche. Les latrines débordent, on vit dans une odeur d'égout. Xavier et elle, ils ont des entrevues avec d'autres rêveurs, des concertations. On essaye de se tenir à la décision de ne rien coordonner. On veut inventer à chaque endroit, sans déléguer, sans coordination. Mais Anti et Xavier rencontrent quand même des gens, des copains d'Espagne, d'Italie. Le soir du feu de la Saint-Jean, sur la place du village, on rit aux éclats. Et pour la première fois,
Eux et les paysans forment quelque chose. Une famille. Xavier se souviendrait aussi de tout ce qu'il n'avait pas prévu. Tout ce qui déborde, bouleverse leurs rêves, le transfigure. Qui est bien plus que l'organisation de quelques milliers de jeunes gens en dissidence. Des purs cadeaux. Les matchs de foot, dans les foins coupés courts, dans cette poussière de la terre d'août, avec et contre les villages et les campements voisins, garçons et filles mêlés. La musique qu'on joue le soir, d'abord seul ou à deux, puis de plus en plus souvent ensemble, de concert, puisqu'on a plus de 10 heures d'iTunes, de playlist. Les livres qu'on lit à plusieurs, à voix haute, parfois à voix émue, tremblante. Toute cette beauté-là, il ne l'avait pas imaginée, pas théorisée. Ce n'était pas dans le bouquin de Thomas F. C'était imprévisible. Quand vient l'automne, certains se découragent. Septembre, les pluies, les rentrées lycéennes et universitaires. Le ministre annonce qu'on fera de la place pour les retardataires pourvu qu'ils ne gâchent pas leur avenir dans ces aventures sans lendemain. Des semailles avortent, des maisons fuient sous les orages, des toits s'envolent. Le froid vif, prématuré cet automne-là, gerce, transperce, appauvrit chacun du peu qu'il croyait avoir. La faim, la douleur, le manque de soins, de confort, l'absence de perspective aussi, les éprouve. Ce n'était qu'un doux rêve, une utopie, une erreur, engueulade, mots amers. Puis de toute façon, on n'y arrivera pas, on est trop peu. Trop seul. Fallait que tout le monde suive. En Italie, on fait la chasse aux campeurs. En Allemagne, ils sont attaqués par des groupes d'extrême droite, des nervis au crâne ras venus avec des chiens. En France, le pouvoir dénonce une impasse vaine et sans perspective. L'opposition pointe des abcès de fixation, des zones de non-droit, hors des lois de la République. Les intellectuels de plateaux télévisés s'élèvent contre un rejet de la modernité qui est repli et rejet des lumières, du progrès. Les médias, eux, ont inventé un sigle, VPI, village provisoires, illégaux. Plaine de Grenoble, University Stendhal, décembre 2042, 17 ans après la sécession. La truie leva le groin qui fouillait le caniveau et dans les bouts duquel elle cherchait sa nourriture. Elle huma l'air,
elle devinait un danger. Après avoir hésité un moment, elle se tourna assez vivement vers sa droite. Des phares venaient d'apparaître au loin, sur l'avenue rectiligne, simples lueurs encore. La femelle grogna deux fois. Puis pesamment, elle monta sur le trottoir. Sous les lampadaires urbains, c'était un animal véritablement impressionnant. La carrure encore exagérée par son nombre formidable. Un de ces porcs semi-sauvages qui pullulaient et dont l'espèce agressive s'était matinée à force de croisements avec les sangliers devenus semi-urbains. Un crin noir, dur, des soies, couvrait par plaques son dos et ses épaules. De nouveau, elle grogna. Un barrissement profond, inquiet, gueule ouverte, alors que les phares grossissaient rapidement. Son souffle produisit une fumée de givre. La plupart des porcelets de sa dernière portée obéirent cette fois. Ils se rassemblèrent contre ses jambes. Mais deux d'entre eux, affolés ou éperdus d'indépendance, partirent en sens inverse. Ils se mirent à courir au milieu de l'avenue, dans la direction du véhicule fantomatique qui progressait assez vite vers eux. Un instant, il parut que la collision était inévitable. Les porcelets se figèrent pris dans la lumière. La truie écarquilla les yeux. Hugo Berz donna un coup de volant brutal pour éviter les porcs. Il jura. Dans l'écart, ses pneus avaient chassé sur la chaussée. Il avait failli heurter le trottoir. Moins de 100 mètres plus tard, il ralentit. Des guirlandes basse tension décoraient l'entrée du Sex Pub and Dub. Un groupe d'étudiants fumait devant le bar, verre à la main. Ils riaient et commentaient bruyamment quelque chose, tourné vers la Toyota. Sans doute la façon dont Berz avait évité l'accident. Le jeune homme rangea sa voiture le long du trottoir. Le contact se coupa. S'il restait dans sa bagnole par cette nuit glaciale et sous leurs yeux, cela attirerait l'attention, aussi bien qu'un autocollant flic collé en évidence sur son pare-brise. En maugréant, il enfila un blouson civil doublé de fourrure synthétique, sortit, se frotta les mains, quelques dizaines de mètres jusqu'au carrefour suivant, où il prit la ruelle 112 du quartier 4, s'arrêta et attendit. La voiture n'attirait pas l'attention. C'était une de ces vieilles caisses hybrides qui avaient roulé aux hydrocarbures autrefois quand on trouvait encore des stations-service le long de toutes les routes. On n'autorisait plus ces véhicules à rouler à l'essence depuis l'avènement de l'économie de transition, ni à rouler tout court dans les centres-villes intelligents, parcourus de voitures sans chauffeur, elles-mêmes intelligentes. Le décor, c'était l'Université Stendhal, une des trois villes campus pilotes créées en 2026 comme une réponse absurde au désordre suscité par des jeunes gens revendicatifs et pressés d'en découdre. Ville container. Des milliers de caisses d'acier polyvalentes avaient échoué ici, vraiment très loin de leur océan, détournées par leurs armateurs de leur fonction initiale. On avait converti les containers, autrefois bourrés ras la gueule de produits manufacturés pour l'obsolescence, en logements individuels, insonorisés, isolés, équipés. On les avait empilés, 4 à 4, et ils constituaient ces perspectives mornes d'immeubles le long des rues larges, orthogonales, sur 4000 hectares de pâture enclavée à 50 km au nord-ouest de Grenoble. Caisse appartement, formant des immeubles sur 4 niveaux, loués à très bas prix, fluides compris.
Réseau à bas prix. Études à bas prix. Bouffe à bas prix. À bas coût, à basse qualité, tout à portée de bourse. 12 000 étudiants et étudiantes étaient affectés sur chaque campus dès leurs 16 ans révolus, depuis l'avancement de la majorité civique et la mise en place de la fusion orientation préprofessionnelle lycée-faculté. Il y avait 4 campus sur Stendhal-Rhône-Alpes, 48 000 containers individuels, des rues à angle droit, pas d'angle mort, des empilements de caisses à l'infini sur un plan géométrique, des milliers de caméras. Stendhal était une university, c'est-à-dire une prison sans issue, gardien ni barbelé. Ville multinodale, hub en vase clos, à part 2 routes et sans autre moyen de transport vers les gares des 2 villes-centres que des tramways en site propre, écologique, économique, contrôlé. Si les étudiants bougeaient, on fermait le tram. On bloquait les 2 routes au checkpoint de béton. Les jeunes restaient entre eux, la classe d'âge dangereuse, autrefois émeutière, était désormais cantonnée. Mai 2061, fin de la deuxième nuit. À presque 30 heures de la cabane, à une douzaine d'heures de marche du bivouac, vers le sud. Au bout de sa longue marche, la houle atteignait la chute. En ses prémices du jour, la forêt frissonnait. Elle s'apprêtait à révéler sa fragile beauté. L'aube la déploierait comme on ouvre un tissu délicat. Pour l'heure, les ténèbres demeuraient cependant aussi épaisses qu'une brume. Parce que les frondaisons ne se rejoignaient pas au-dessus de la chute et parce que les nuages avaient été chassés par ce fort vent d'ouest toute la nuit, on voyait le ciel crépusculaire. Il était encore piqueté d'étoiles qui s'apprêtaient à disparaître pour 15 heures, astre mort, blanc, invisible, menteur peut-être, éteint depuis des siècles. Était-ce ce à quoi ils avaient cru, tous ensemble, à des étoiles mortes? Dans la poche arrière de son pantalon, le livre qu'il avait corné racontait ce rêve fou. Do not count on us. Il le lisait et le relisait maintenant qu'il arrivait au bilan. La chute consistait en une cascade franche, un chaos rocheux. Il y avait à cet endroit une profonde déclivité, le terrain s'effondrait. La houle surplombait la cataracte. Dans la lumière incertaine, il fut, comme chaque fois qu'il revenait, bombardé d'images vives. Les jeunes gens du campement qui se douchent dans les cris de l'eau glacée. Le moulin dont la roue tourne, miracle de l'électricité. Les filles et les garçons qui lavent ensemble le linge sur la rive, légèrement en aval, là où ils ont installé 4 pierres plates à cette fin. Les repas pris le long de l'eau, les baignades improvisées sur un coup de tête, les discussions qui se prolongent, les ablutions après une journée de labeur, les jeux, les défis homériques des enfants, leur saut dans le trou d'eau, sur la droite, les soirées passées là, à l'écart, dans le soir paisible.
avec Antigone. Tout avait disparu. Les voix humaines s'étaient tues depuis longtemps. Seul le chant de l'eau restait, immémorial. Un bruit de fond, puis un vacarme au fur et à mesure qu'on s'approchait de la cascade. Cet endroit, c'est un ancien hameau, un campement dans la forêt. Cette nuit, cet endroit ne ressemble plus à ce qu'il fut. Ce fut un refuge où des gens vécurent. Un endroit où ils cultivèrent, cueillirent, chassèrent, élevèrent, produisirent ce qu'ils mangeaient et buvaient. Où ils prirent un plaisir âpre mais joyeux à élever des maisons, à nourrir des feux, à devenir meilleurs. On n'y croisait pas un visage sans connaître un prénom, sans savoir son histoire. On y était amis. Ce fut un village, une utopie fraternelle, tout le contraire des villes-centres ou des campus de l'université. Mais ses habitants ne voulaient pas posséder de fusil. Ils refusaient de croire à la violence, cultivaient l'idée contraire. Et tout a disparu. En descendant le long de la chute, prudemment sur les rochers glissants, la houle arriva aux premières maisons, en ruine. Cela avait été un bon endroit pour s'installer quand les rêveurs avaient été chassés de l'orée. Un endroit pour s'enfoncer dans les bois, disparaître, s'effacer. On n'avait pas imaginé que cette disparition se ferait totalement, comme le corps humain se décompose dans la terre, devient les sels minéraux, et il ne reste de lui qu'une mémoire, entretenue par des récits, des lambeaux de souvenirs, des photos qui pâlissent, s'estompent. Les ruines d'un rêve, l'humus du suivant. Autrefois, la houle avait cru que la réponse toujours, l'explication de toute chose, était dans les rêves, c'est-à-dire les livres. C'était faux, bien entendu. Les livres ne font que poser l'idée. Ce qui compte, c'est lorsqu'elle s'enflamme, qu'elle brûle. Et ce qui compte au fond, c'est ce qui reste, 30 ans plus tard, de ces ruines, de ces pages, de lambeaux du rêve. 3 enfants, au fond de la forêt. La grande forêt. Printemps 2035, 26 ans plus tôt, 10 ans après la sécession. 4 enfants jouent dans la rivière, s'éclaboussent en riant, maigres et énervés. Leurs rires sont comme des cris de mouettes ou des cascades de vif argent. Sous les arbres, à une cinquantaine de mètres, il y a une chute d'eau. À cet endroit, le sous-sol s'effondre. Cet enfant de 9 ans parmi eux, aux cheveux noirs, aux traits fins, aux yeux gris, c'est Adam. Petit sac d'os et de peau au fond de la forêt. Cet enfant croit que la forêt est sa maison, que le village est un monde, un endroit qu'on habite en l'explorant. Tout est jeu, terrain de jeu. Il croit qu'avec la prudence de sa mère, la protection des autres, la bienveillance de tous, on gardera la violence à distance, loin, à des kilomètres.
Il sait qu'il faudrait être prudent pourtant. Mais naïf, il ne croit pas à la menace. Pas réellement. Pas tout à fait. Et puis un jour, les braconniers viennent. Ils viennent sans autre ambition ni intention que le meurtre, parce qu'ils ont pris de l'importance. Ils sont devenus un campement, un cartel, une bande organisée. Et ces hommes-là, ne souffrent pas qu'on vive à 6 jours d'eux, mais si différents et sans allégeance. Ils s'avancent, déployés, armés. Ils ont pris le temps d'entourer le village, de l'investir avec préméditation. Ils sont aussi nombreux que les rêveurs, mais tellement mieux armés. Alors très vite, ils ont pour eux le nombre, parce qu'ils tirent, déciment, tuent les hommes, les femmes, les enfants qui tournoient de panique, tous ces rêveurs, 50, 100, ces naïfs, ces non-violents qui n'appliquaient leur révolution qu'à eux-mêmes, ne demandaient pas d'autre changement que celui qu'ils étaient. Ils ravagent le village, pillent, mettent le feu aux maisons, enflamment les toits, sans craindre de propager l'incendie à la forêt tout entière. Ils s'emparent des victuailles, des récoltes, des cueillettes, des chasses, en riant. Violent les femmes, bien sûr, assassine les hommes, les assassine tous, en riant. Ils ne laissent derrière eux que des ruines, fumantes, corps couchés dans les feuilles, cadavres tombés dans l'eau, allant à la dérive, pierre sur pierre qui tiennent, des vestiges, des débris. Ils emportent leur butin et quelques enfants, mâles, femelles, enfants soldats, enfants esclaves, et parmi eux, Adam, 9 ans, sac d'os et de peau, d'inconscience, enfant livré au mal. Sept ans plus tard, décembre 42, 21 ans après la sécession. L'année de ses 16 ans, Alice Coteas prit la fuite. Elle quitta Stendhal le lendemain du viol, avant l'aube, dans la nuit profonde. Une nuit ample, interminable, qui ne finirait jamais. Tram. Transport en site propre vers la ville-centre. Dans la gare de Grenoble, désormais trop vide et vaste, elle appela sa mère. Je reviens, maman. Vous pouvez me payer un billet, ça ne va pas. Pas du tout. Quand veux-tu que... Aujourd'hui, maintenant. Je serai à Cré en début d'après-midi, ensuite je vous dirai. Elle reçut son billet de train sur son téléphone. À Cré, elle eut la chance de profiter d'un camion roulant au biocarburant qui était venu livrer à la ville les denrées de la campagne. Sa mère avait prévenu le chauffeur. Il l'attendait au bout du quai. Quand elle arriva à la destination finale du camion, son père était là, debout, à côté de sa bicyclette, devant une grange. Il faisait nuit déjà. Une nuit d'un noir immense, seulement violacée par le reflet des neiges sur les massifs. Elle rentra collée au dos de son père, sur le porte-bagages.
Ses parents vivaient sur les contreforts et dans l'ombre du Vercors, c'est-à-dire presque le sud déjà. C'était un domaine agricole où l'on avait élevé des brebis, où l'on élevait toujours des murs de pierre sèche, parce qu'on travaillait la terre en terrasse, d'arrache-pied, à se faire suer, transpirer, à se rompre le dos. L'herbe brûlait dès juin d'ordinaire. Cet hiver, exceptionnellement, il reneigeait. Elle resta 5 mois et demi chez eux, sous la citadelle de pierre impassible et le ciel vide. 2 mois d'abord qu'elle passa enfermée dans sa chambre et cette nuit sans aube, cloîtrée entre 4 murs. Terrée et terrifiée, elle gardait le silence sur les images de cette nuit du viol, nettes malgré les alcools, l'odeur de leur rire, de leur sueur en si gros plan. Elle revoyait les images précises et plus nombreuses de ce moment où le flic débarquait à l'ultime seconde. Cette nuit, ses visages, comme si elle avait dégrisé d'un coup. Elle se tut malgré sa mère qui entrait dans la chambre certains jours, s'asseyait sur le lit, lissait de sa main la literie en la regardant douloureusement, même avec le spécialiste qui l'emmenèrent consulter. Elle conserva le silence. Elle avait découvert la guerre. La guerre l'avait découverte plus tôt, débusquée. Cette guerre était venue la chercher, l'enrôler, lui demander des comptes, alors qu'Alice ne savait tout bonnement pas qu'il y en avait une. Que quelqu'un avait écrit quelque part, pour chacun et chacune, un acte de conscription. Ces 2 mois révolus, elle se chercha une issue. Un endroit vers où elle pourrait s'enfuir, où son silence ne serait plus compris comme une faille, une faiblesse, où elle ne serait plus objet de sollicitude. Où elle pourrait endurcir son corps et l'armée pour la prochaine fois, quand la guerre reviendrait. Cela existait-il? Elle ne voulait plus jamais être surprise. Elle sortit de sa chambre, le printemps revenait trop tôt. Les personnages pourrissaient, calice bruni avant terme. Les arbres, pêchés, abricotiers, fleurissaient comme des estampes prématurées. Comme eux, elle était une enfant trop tôt jetée au monde. Elle marcha sur des chemins détrempés de pluie, flous, dans des odeurs boueuses sans poussière ni pollen, mais surplombées par la netteté printanière des alpages. Elle sentait quelque chose éclore, un renoncement à l'innocence infiniment plus vieux que son âge, qui n'était pas une résignation chez elle, mais une détermination. Désillusion, rage, froide. Elle avait 16 ans, majeure, elle ne serait plus jamais une proie. Que se produit-il en soi quand, ayant renoncé aux illusions, décide de vivre tout de même, avec obstination? Que peut-on faire? Elle choisit les BGPAEA, Brigade de Gestion et de Protection des Autres Espèces Animales, corps de police créé en 2027 et chargé de faire appliquer les lois concernant la fin de l'exploitation de toute matière animale. Elle ne se voyait pas entrer dans cette police qu'il avait secourue, ni dans l'armée. Elle aimait les animaux aussi depuis l'enfance. Elle s'inscrivit sur cette impulsion, envoya des candidatures, remplit des questionnaires. Pour l'examen d'entrée, elle devait satisfaire à des critères physiques, à laquelle son adolescence montagnarde la préparait amplement, mais qu'elle fit mine, consciemment, inconsciemment, de surestimer. Ses parents,
en la voyant s'infliger ses footings, ses séries de pompes dans la montagne, virent qu'elle guérissait en s'administrant de la douleur. Ils devinèrent qu'il la perdait tout à fait la lisse d'avant et que c'était pour elle une question de survie. Lorsqu'ils l'embrassèrent devant la ferme, avant qu'elle grimpe à l'arrière d'un camion sans ridelles pour aller vers une ville, et de là vers une gare, puis ensuite vers Montpellier, ce n'était déjà plus leur enfant qu'ils embrassaient. C'était une étrangère qui lui avait succédé dans la même enveloppe, très presque inchangée. Le temps qui passe, pense, émate, suture, endurcit le pourtour des plaies comme une corne. Quatre ans plus tard, Montpellier, avril 2046. Alice descendit place de la Comédie, deux stations avant la gare, et fit les derniers hectomètres à pied, son sac à l'épaule. Elle voulait dire au revoir à sa ville. Ce qu'elle voyait autour d'elle ressemblait à ce qui était partout dans toutes les villes-centres. Pelouses tondues, friches naturelles d'herbacées, semées puis laissées sauvages comme apportées par le vent. Arbres élagués, fontaines minérales, tramways silencieux. Des hommes, des femmes en costume ou tailleurs de fibres végétales, en souliers et escarpins de fibres synthétiques, armés et aimantés par des téléphones intelligents figurant parmi les industries les plus polluantes au monde, traversaient des esplanades, circulaient à pied ou dans des voitures sans chauffeur ni impact sur l'effet de serre, mais pilotées par des ordinateurs dont les circuits reposaient sur des ressources non renouvelables. Signaux contradictoires. Mensonges. Ces espaces naturels étaient les moins naturels du monde. Des architectures de verrières, de bois, des potagers participatifs et des toits végétalisés accompagnaient l'empilement insensé de l'espèce sur des dizaines d'étages. On laissait de temps en temps un spécimen sauvage entrer ici, en centre-ville. Si possible, un grand mammifère, un oiseau spectaculaire, pour les photos, la presse, les gros titres qui confirmeraient les urbains dans leur idée d'une réconciliation entre l'humain et son environnement. On limitait les proliférations, on ramenait dans les friches les nuisibles, les encombrants, porcs, chiens errants, rats, renards atteints par la rage. Alice marchait dans cette ville sans oiseaux. Elle voyait les regards de ceux qu'elle croisait, qui glissaient sur son uniforme et ses galons, regards globalement bienveillants, des sourires parfois. Ils la prenaient pour une gentille. Elle aurait voulu leur dire qu'elle allait rejoindre la guerre. ...2061, plaine de Grenoble, University Stendhal. Hugo Berth se leva, alla à la fenêtre. Le bureau qu'il occupait donnait sur le campus 3. Immense baie vitrée, blindée. Au loin, les contreforts du Vercors allaient s'illuminer. Une barre jaune l'annonçait. L'aube. Des milliers de drones noirs survolaient les toits, les rues,
les avenues de l'université dans leur bourdonnement silencieux, imperceptible. Ils étaient les insectes affolés, traquant le pollen de toutes ces vies. Hugo Berce ne patrouillait plus, du soir jusqu'à l'aube. On l'avait finalement nommé commissaire principal de Stendhal après les émeutes du printemps de 1059. Au cours de ces violences urbaines, une troisième vague en 20 ans, il avait vu des choses déjà vues tant d'autres fois, des scènes terribles et des merveilles. Pourquoi en était-il resté frappé cette fois ? Il avait assisté à des scènes sans rime ni raison. Deux gamins qui se précipitent dans un immeuble de containers en flammes, juste avant qu'ils s'effondrent, un incendie qu'ils avaient peut-être allumé pour au péril de leur vie sauver une camarade. Des émeutiers qui se battent entre eux, cinq jeunes gens, trois filles, deux garçons hirsutes, protégeant contre les autres un lieutenant à terre. Un îlotier en maraude qui percute en reculant un casseur, puis sort du véhicule, prend le blessé dans les bras, le jette dans sa bagnole et fonce, direction l'hôpital de campagne. Le dernier jour, il avait vu deux adolescents, les joues souillées de fumée et de larmes dans l'avenue 22. Debout, au milieu de la rue, armés de simples fronces, sans chercher à s'abriter, ils lançaient leurs projectiles dérisoires, pierres, boulons, contre les véhicules blindés qui avançaient, inexorables. C'était des graviers contre des transports de troupes, une piqûre d'insectes sur un monstre d'acier. Ils allaient se faire passer dessus. Au milieu du kaléidoscope, il y avait deux images dont les souvenirs le hantaient. Cette jeune fille aux cheveux longs, dans la cour de la caserne, tranquillement appuyée contre le mur dans la longue file de ses camarades arrêtés et maussades à la fin des combats. Serrée dans une veste de jean, elle fredonnait doucement, à voix basse, un chant de révolte. On lui avait intimé l'ordre de se taire. Elle n'avait pas obtempéré, avait poursuivi son chant à mi-voix, en regardant son gardien avec insolence. Même quand il lui avait donné un coup de matraque dans les jambes, même après, quand il s'y était mis à plusieurs, qu'il l'avait frappé dans le ventre, dans les côtes, au visage. Même alors que sa bouche saignait. Elle n'avait cessé de chanter que lorsque les coups l'avaient laissé évanoui sur le sol. Et Berce se rappelait également de ce môme qui était monté sur le mur d'enceinte à moitié incendié de la caserne. En équilibre, il avait parcouru une trentaine de mètres, funambule à 12 mètres du sol, pour aller tracer son graffiti rageur, parfaitement inutile, inoffensif, sur l'un des miradors. Après les premiers tirs à balles de caoutchouc, il s'était rétabli, avait ajouté encore trois lettres sur le mur avant la deuxième salve, à balles réelles cette fois. S'était écrasé 12 mètres plus bas. Le graffiti inachevé disait « La police est l'ennemi juré de… » De quoi ? De qui ? D'elle-même ? Dans 2 jours ou dans 10 ou dans 3 mois, Hugo Berce serait muté. Il le savait. Peut-être trouverait-il enfin la force de démissionner, remplir 4 jerrycans à la pompe de la caserne, les ranger dans les coffres de sa vieille bagnole et tailler la route vers le sud, les routes d'Italie qui s'écaillent. Peut-être.
L'enquête sur les émeutes serait délocalisée, enterrée. Un nouveau juge d'instruction se montrerait coopératif. Les mômes qui s'organisaient secrètement pour espérer d'autres vies sous les mêmes cieux finiraient emprisonnés, jugés, condamnés, dispersés. Ils s'y prenaient mal, échoueraient parce qu'on échoue toujours. Mais ils avaient raison. Spartacus a raison. On ne peut pas continuer toute sa vie en esclave. Quant à nous, nous nous en irons sur la terre. Notre monde est le vôtre, nous ne pouvons nous en retrancher. Mais nous choisirons des lieux, des déserts, des silences, des bibliothèques, des jardins, où nous pourrons vivre dans les mâts. Le seul droit qui me reste pour le contrat d'emploi.